Bien tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Je suis actuellement dans la grotte du Trop-Plein. Ça fait quelques épisodes que je vous dis ça maintenant, mais en même temps elle est immense, il y a plein de choses à faire dedans. Et je sors à peine d'un combat très très compliqué face à ce centurion Dwemer des Moissons qui... les autres étaient plutôt faciles à combattre, mais alors celui-là il m'a donné vraiment du fil à retordre, hein. J'arrivais pas à le gérer. Donc là j'y suis enfin arrivé, j'ai fait marcher un petit peu mes neurones et vu que le combat au contact était un petit peu compliqué, on est parti sur du combat à distance, donc voilà, une bonne chose de faite. Et on est ternu, ah, et on se fait mal au dos, ah, tant qu'à faire, ça fait mal. Et on va enchanter par contre l'épée nordique de flamme, qui n'a déjà plus de... qui n'a déjà plus de... d'enchantement. Voilà, on va le refaire une fois avec ça. Voilà. Parfait. Et on va continuer à explorer du coup la deuxième partie du donjon pour récupérer d'autres blés. Voilà. Faire pareil ici. Top. Et normalement, il me reste plus qu'un blé à obtenir. Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est, il est là-bas le blé qu'il me faut. Ah, il y a quelque chose ici. Noyau d'énergie Dwemer, un été Dwemer. Oh, bah. Ok, une partie du cheval. Ok, donc tout ce que je disais par rapport aux chevaux, en fait, ça se situe ici. Hein. Toutes les parties du cheval. Faut juste que je retrouve du coup la partie qui me manque. Il y a un autre coffre ici. Une améthyste parfaite décrochée de l'or, un anneau d'or et de saphir. Gantelé en peau de crochetage minime. C'est top ça quand même. Et maintenant faut trouver la dernière partie du cheval. Et là par contre je vous avoue que... je sais pas vraiment où chercher. Là je tombe sur les trucs depuis tout à l'heure mais vraiment au petit bonheur la chance. C'est à dire ça j'aurais pu le rater et genre carrément l'ignorer mais... du coup, je préfère mieux vérifier ici s'il n'y a pas le reste de le reste du cheval. J'en ai pas l'impression, peut-être de l'autre côté du coup. Ou peut-être vers la suite du donjon. Il doit y avoir encore un centurion dans le coin. Ah bah apparemment non. Il y a un autre coffre ici. Ok, rien d'intéressant. Ah, bon au moins on a une sphère de rumeur dans le coin. Bon voilà, j'en ai récupéré plein. Donc on avait un passage ici, une porte là-bas. Je suis curieux de voir où ça nous mène en fait. Pourquoi il y a plein de lapins aussi? Parce que visiblement ma couronne se situe là-bas, hein, donc je vois pas c'est quoi l'intérêt de nous emmener en bas. Voilà. Je crois que c'est une partie du cheval, non? Ah, il y a peut-être une partie du cheval encore ici. Il y a plein de gemmes, en tout cas. Ça, c'est top. De l'ébonite brute. Ok, tout va bien. Il y a un levier. Ouais, je me méfie tellement, là. C'est tellement un coup à nous piéger en fait cette connerie. Là il n'y a rien. Bah. Ah mais attendez. Là il y a la couronne d'accord mais peut-être que c'est de l'autre côté pour désactiver le truc alors. Ou alors peut-être qu'il y a un autre masque encore de l'autre côté. Je sais pas, je suis un peu perplexe là je vous avoue. Bah de toute façon on va activer le levier, on est là pour ça. Hein. Ok parfait. Donc là on va récupérer quoi comme masque? Visage de l'automne Dwemer.
Utiliser une forge pour fixer le mas un masque sur la couronne d'Oemer. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais j'aurais donc les trois masques et il n'y aurait que trois masques. Mais je suis censé en avoir un quatrième. Masque de l'été. Je l'ai pas. Je comprends rien. il fait quoi le masque Le visage de l'automne d'Oemer. Magie plus 25 points, sort de gazon moins 10%, sort d'illusion co coûte moins 10%. Ok. Ah, je vous avoue que si le masque me permet d'avoir tous les effets combinés de tout le reste du truc là, ah, je vais pas m'emmerder, hein. Mon casque de dragon il va dégager. Ah, Lydia, elle en a rien à foutre, c'est incroyable. Elle aurait pu retomber au sol. Là-bas on a une porte, donc ça doit être la forge du coup. Et là-bas on avait autre chose. J'essaie de comprendre, c'est... Pour moi c'est... Je suis perplexe en fait, vous savez. Est-ce que c'est une bonne idée de passer cette porte? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de passer cette porte? Le rôle de ce blé, ce qu'il y a derrière, j'ai bien envie d'aller voir, mais... Là je suis à côté de la porte, du coup je... Voilà, il y a ça aussi qu'il faut que je règle. Et puis l'histoire aussi du cheval. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Ah bah d'accord, c'est juste un élément du décor. Donc en fait depuis tout à l'heure je suis persuadé qu'il y a un passage, mais non c'est juste pour me troller. Par contre... Alors, est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est plus loin? Il y a quelque part une pièce du cheval. Pourquoi tant d'empressement? Ici, il y a le feu au lac. Là, c'est quoi? Araignée gardonne demeure. Ouais, non. Je croyais que c'était la pièce que je cherchais au départ. Bon. Parce que là, il me manque quelle partie de la. Quelle partie de la. Du cheval? Il me reste la tête et la jambe. Bon, c'est encore deux pièces. Pour l'instant, toutes les pièces, je les ai trouvées ici. Peut-être qu'elles se situent dans la dernière partie de la pièce là-bas ou qu'elles sont ici, que je les ai pas vues. Ce qui est fort probable aussi d'ailleurs. Mais avec toutes ces fougères, c'est un peu compliqué de savoir où on met les pieds quoi. Ah ouais, posé, tranquille. Pas farouche, hein. Ah oui, il y a un endroit que j'ai fui tout à l'heure, c'était ici parce qu'il y avait un centurion qui me faisait chier. Donc peut-être qu'il y a une pièce que je cherche pour le. Pour le cheval. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y a une pièce du cheval ici. On va se rendre vers la pièce qu'il y a là-bas du coup. On va aller jeter un coup d'œil à ce que nous réserve cet endroit-là. C'est vrai qu'il y avait une autre porte ici, mais celle-là aussi c'est pareil, c'est juste un élément du décor en fait. Ouais, voilà. Ou alors ça va s'ouvrir une fois que j'aurai désactivé tout le reste et les deux pièces qui me manquent seront là-dedans. Parce qu'il manque pile deux pièces et il y a deux portes. Donc ça c'est bien ce que je pensais, ça a arrêté de fumer. Voilà, allez hop. Il y en a une ici encore, vous voyez. Hop, la tête du cheval. On a un coffre. Livre de sort, peur, ok. 50 pièces d'or. Une épée d'acier, une armure à bande, on s'en fout. Il va me manquer du coup encore un dernier en moins. Ouais, il me manque la dernière jambe en fait.
Là, au niveau des quêtes, j'en suis où? Non, c'est pas là. C'est là. Donc, là, j'ai tout fait, sauf désactiver la sorcière du climat, visiblement. La couronne d'Oemer, faut que j'utilise une forge pour fixer un masque sur la couronne d'Oemer. D'accord. Ah oui, il n'y a que 3 masques. J'ai trouvé les 3 masques de la couronne d'Oemer. Si je me rends une forge, je devrais être en mesure de les ajouter et de les retirer comme bon me semble. Ah, mais ça veut dire que... On peut pas tout avoir en même temps. Utiliser une force pour fi fixer un masque sur la couronne de demeure. Ah mais visiblement je peux en fixer qu'un seul. Ah ça serait chiant si c'était ça. Mais pourquoi printemps, hiver, automne? Où est-ce qu'il est le truc de l'été? J'avais même carrément un couloir de l'été. Ils ont pas mis de masque dedans? C'est quoi le bordel? Et il me manque toujours la jambe. Hein. Donc là, il faut que je trouve quand même la dernière foutue jambe. Pour moi, elle se situe dans cette partie-là. Enfin, un truc que j'aime pas faire, on va faire du long en large, on va quadriller le secteur. Et on va observer autour de nous si on voit quelque chose qui ressemble à une jambe de cheval d'Oemer. En espérant bien entendu que je me suis pas planté et que c'est bien ici que ça se trouve. On va retourner regarder cet endroit-là aussi. Mais là on est d'accord, il n'y a rien. Regardez en l'air aussi. Voilà, au moins j'en aurai le cœur net. Bon, alors, voyons voir. On va quadriller comme ça. J'ai même pas vu ce coffre la première fois. Faites attention. Ah bah voilà, elle est là. J'ai toutes les pièces du cheval d'Homer, top. Ouais, c'est la bonne technique à faire. Alors du coup maintenant faut que j'aille dans une forge pour forger tout ça. Mais il faut aussi que je déglingue la sorcière du climat. Donc pour ça on va sortir d'ici. Là, le fait que finalement il y ait visiblement que 3 masques et pas 4 et qu'ils disent d'aller dans une forge pour forger un masque sur la couronne d'Oemer, ça m'inquiète parce que du coup je me dis que ça se trouve on peut vraiment mettre qu'un seul des trucs. Mais ça serait bien moins intéressant parce que franchement, vu les effets, c'est pas non plus un truc de malade les uns séparés aux autres. Je veux dire, ok, 25 de vie en plus et je sais plus quelle compétence gagne un peu, c'est cool, mais j'ai carrément 50 points de vie en plus et beaucoup plus d'armure que ce que j'ai actuellement sur la gueule, donc voilà quoi. Allez, il nous reste une créature à affronter là. Qui c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font là eux? Mais t'as fait quoi toi? Ah merci Lydia. Je croyais que je l'avais eu. Oh bah tiens cool. En plus ça me reforge une flèche. Donc toi t'es mort, je t'ai buté. Toi t'es mort, elle t'a buté. Merci pour ça. Apprenti d'Elbeonde. Ah oui d'accord. Il va se calmer l'apprenti. Ok, et il est immunisé contre ça. Allez attaque. Ah mais c'est chiant, franchement c'est chiant. Ça prend 10 plombes pour faire les attaques chargées là. Voilà. Ah merde, c'est Lydia qui a pris
Il s'est pris l'éclair sur la tête au même moment. Alors, flèche d'ébonite, robe d'illusion pour apprenti, d'accord. Capuchon d'apprenti, bah ouais, je prends. Et dague de hammer, on s'en fout. Attends, mais Lydia, elle est morte? Non, elle va se relever. Je m'en fous, j'attends, elle va se relever, hein, c'est sûr. Attendez, Lydia serait vraiment morte? Après tout ce temps? Non, non, non. Je vais pas te laisser mourir, Lydia. Pas comme ça. Attendez. 24, 51, 45. Ah oui. Je pensais que j'avais sauvegardé un peu plus tôt. Ah oui, non, Lydia, faut pas qu'elle meure. Hein. Ok, allez, c'est parti. Donc là, visiblement, j'ai un comité d'accueil. C'est toi qui nous a cassé les couilles. Assez? C'est toi, assez? Voilà, là, j'ai gagné. Merde, je vais remonter maintenant. Oh putain, je suis coincé. Ah, ça va. Lydia, pousse-toi, c'est pas le moment de me suivre ici. Oups. Voilà, je préfère quand le combat il se déroule comme ça. Bon, ils sont tous morts. Je sais pas pourquoi ils ont voulu m'attaquer, ces grands fous. Ok, on va attendre un chouïa. Allez, Lydia, c'est bon? Let's go. Elle est où? Elle est passée par la porte. Je me suis fait humilier par un robot. Galerie du tueur céleste. Waouh. Ça fait peur. Oh là. C'est une arène sur Twitter. Ah, ça a sauté dans les airs. Ah non, c'est moi qui l'ai balancé dans les airs. Allez, Lydia. Surtout que j'ai plus beaucoup de potions, je crois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est une blague. C'est sûr qu'il y avait une connerie du genre. Bon bah je suis mort. Je suis mort, je suis mort. J'ai pas le... J'ai pas ce qu'il faut pour l'affronter. T'as un poursuivre dehors, je suppose. Attendez, mais Lydia va crever dedans. Réfléchissons. Non, pas destruction, quoique. Magie. Bah si, magie en fait, les deux. On va essayer. Ok, Lydia s'en est sortie. Mais je sais pas ce qu'on va avoir dans un comité d'accueil.
Je sais pas si dans le camp il y a de quoi faire des potions là-bas, mais je crois pas. Ok, visiblement ça leur fait rien du tout comme ça. Comment je peux faire? Ok, et magie, un truc de soin peut-être? Merde, je suis tenté de... Non mais t'attaques pas à l'araignée, débile. Encore nous réserver un mauvais coup, c'est sûr. Hop, alors, objet. Non, arme. Putain, elle a fui le combat, quoi. Ah, vas-y, Lydia, fais ça, ouais, c'est bien. Alors attends, par contre, objet, potion, j'avais des potions de vigueur, là, voilà. Et c'est pas, c'est Lydia qui prend, putain, elle se met au milieu, elle. Potion, est-ce que j'ai des trucs qui vont m'aider? J'ai pas l'impression. Ah, je suis dans la dèche. Faut que je reprenne. Potion, c'était quoi? Allez, lance! Yes! Ferraille de hammer tordu, or 150 et bonus brut, barrière des saisons. Oh, oh. D'accord. Alors, barrière des saisons augmente la résistance au feu de 10%, augmente la résistance à la glace de 10%, augmente la résistance à la feu de 10%, augmente la résistance au poison de 10%. Je prends. Sauf que je suis plein. Évidemment. Alors, tenue. Il va falloir que j'achète des trucs là. Mais quoi? Eh oui, messieurs, mais quoi? C'est ça le problème. Peut-être dans les ingrédients, du coup, divers déjà. Peut-être des trucs à lâcher. Bah, ça. Déjà, on va commencer. Les deux gyrostats Dwemer. Voilà, ça, ça pèse 0 en poids, donc on s'en fout. Ingrédients, peut-être. Ça va pas nous aider. En armes. Si, il y a ça. Je vais devoir tirer un trait dessus. Ok, donc visiblement tout s'est arrêté au-dessus de nous. On va pouvoir se reposer un peu. On le mérite là. Franchement, le combat était tant d'axes, mais on y est arrivé. On a été plus malin. Enfin, si on peut dire ça. Changement de saison. Me sort dont on parlait. Ah. Et là, ça nous mène vers la sortie, peut-être. Ouais. C'est l'air d'être le cas. Ça nous fait remonter à la grotte du trop-plein. Hein? T'as raison, tu peux être étonné, dis donc. Ah, c'est la fameuse porte qu'il y avait au début. Eh oui. Ok. Bon, on va pouvoir récupérer ce qui est à nous, c'est-à-dire le cheval. J'espère juste qu'on n'aura pas un comité d'accueil à l'extérieur.
Je croise les doigts. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Ah bah ben voilà. Qui est là? Vous sortirez d'ici les pieds. Vous pouvez pas faire mieux. Mais t'as cru quoi toi? T'as fonte le dos à qui d'enculé? Attention. Une égratignure. Comme si je peux pas les combattre. Vous ne partirez pas d'ici en vie. C'est toi qui dis. Armure de cuir d'éclaireur. C'est classe, mais ça me servira à rien. Bon, Lydia, tu t'en sors? Voilà. T'as besoin d'un petit coup de main, visiblement. Et toi, c'est normal que je peux pas te loot? Il est bugué, lui. Ouais, il a vraiment bugué, je peux pas le... Ok. On a un bandit qu'on peut pas loot. Attendez. Fouce. Ah ouais, non, il est vraiment passé à travers, quoi. Tant pis. Bon. Alors. T'as quand je sentais le comité d'accueil XR, je vais vous rester sûr de moi. Activé. Donc, je replace tous les éléments. Et, ah, bah, regardez mon cheval. Oh, il est classe, hein. Ah, il est vraiment classe, hein. Bon bah désolé hein, mon cheval hein. J'ai le Dada Dwemer. Double D on va l'appeler. Double D est enfin là les amis. Wouh, ça fait plaisir. Bon bah voilà, on a réussi à finir cette foutue grotte. On va se TP directement à Blanche Rive. Alors déjà à la ferme de la Toundra, voilà, pour commencer. Et une fois qu'on va se taper là-bas, on fera un petit peu le tri tout ça au prochain épisode. Et puis on ira essayer de fixer ces foutus masques sur la forge. Ah, il y a quelqu'un qui a un message pour moi. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Ah ouais? Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok, du coup... C'est dans le livre. Alors, saison oubliée déjà. Non, c'est pas ça que je devais regarder. J'ai pas vu le nom de ce qu'il m'a donné. Non, c'est pas le mot du garde. C'est pas la lettre du Jarl. Lettre d'un ami. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Ah voilà. Crête de l'ossuaire, trouvez la source de l'énergie de ce donjon. Terval, vous avez causé un remue-ménage à été en démontrant la puissance de votre tomb. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant du dragon. Je suis de ceux-là et je désirerais vous aider à développer vos talents. Bordecelle a besoin d'une figure de proue. Vous devriez peut-être, vous devriez prêter attention à Crête de l'ossuaire. On y trouve, à ce qu'on dit, une mystérieuse source de puissance que seul l'enfant dragon peut libérer. Salutations, un ami. Ouais, je sais pas s'il doit y avoir un mur démo là-bas. Mais effectivement, il faudra qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Bon, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, c'était Looping. Bye bye.